Canon. Au piano, vous avez Mathilde Burguère. Au violon, son grand frère Samuel Burguère. À la contrebasse, sa petite sœur Alice Burguère. Et puis son autre grand frère, Saint Burguère, bonsoir, c'est le génie. J'espère que vous êtes bien installés. Alors voilà, on est là ce soir en fait avec les autres et ça nous fait bien plaisir. Par contre, faut juste que je vous dise un petit truc. On est là parce qu'en fait, il nous a remis un truc pas très drôle il y a 5-6 mois. Ça nous est tombé un peu sur le coin de la gueule comme ça. Je sais pas ce qui se passe en France en ce moment, c'est, je sais pas, des modes ou je sais pas, c'est un truc qui se passe souvent. En tout cas, nous, ça nous est arrivé comme ça. On s'est fait expulser. Alors on s'est fait expulser dehors les hommes, bye bye, ciao. Bon, et je vous rassure, tout c'est moins grave que certains copains à nous. Nous, on s'est fait expulser de la maison en fait. C'est nos parents, ils nous ont dit, vous êtes bien gentils les enfants. Ça fait 30 ans qu'on vous nourrit, 30 ans que vous faites de la musique que vous ne rappelez pas un rond, 30 ans qu'on ne sait pas trop ce que vous faites du soir au matin comme ça. Alors maintenant, ça suffit, vous prenez vos instruments, tout le bazar qui traîne à la maison, et vous dégagez. Donc on se retrouve dans la maison, à la rue, comme ça, avec des instruments de musique. Bon, ils nous ont quand même donné une camionnette, hein, merci papa, merci maman. Du coup, on s'est dit, les instruments de musique, la camionnette, bon, on part faire des concerts, du coup, on se retrouve à Port-Sainte-Marie. Tout ça, il y a les frangins, il y a les frangines, il y a les cousins, les cousines, les tontons, les tatas, les poules et tout ce qui s'ensuit. Et on va vous présenter notre famille nombreuse tout de suite, on va vous parler de notre oncle. Alors lui, il est bizarre, notre oncle. Il y a un mec qui se réchauffe près du camping au fond d'un champ. Il se dit, je suis sain et sauf, mais si j'ai froid, c'est que je suis vivant. Il s'appelle Jésus, bon Dieu, un nom comme ça, ça s'invente pas. Il s'appelle Jésus, grand Dieu, au couloir de son papa, quand Jésus prie, il ne se passe rien. Quand Jésus prie, il ne se passe rien. Il habite à la Patois des Blés exactement. C'est pas loin de la capitale, c'est jamais loin quand il a mal. Il a des grands yeux tout bleus, des jurons sur sa langue de bois. C'est un manouche de banlieue, un voyageur qui voyage pas quand Jésus prie. Il se passe rien. Alors, quand Jésus prie, il ne se passe rien. Il vit dans le fric, il croit qu'ils sont des briques, il me les croque. Il fait des gros feux de bois et voit de l'eau de feu sans joie. Le cuivre quand il s'en va, trois petits tours de cuisson là. Au carrefour des hirondelles pour cueillir le scélérat. Quand Jésus prie, il ne se passe rien. Jésus est pris, il ne se passe rien. Un petit séjour à l'ombre, ça fait pas mieux, ça fait pas pire. Quand on vit dans un carré, bah, vaut mieux vite s'y habituer. Quand l'avenir est tout tracé, une vie de merde, et puis c'est tout. Vaut mieux s'y préparer, commencer à creuser son trou. Quand Jésus prie, il ne se passe rien. Jésus, tant pis, il ne se passe rien. On a sa bombe qui crame par terre et pas un rond, et c'est l'instant, et puis compris qu'il ne se passe rien. On a compris, il ne se passe rien. Quand Jésus dit, il ne se passe rien. 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 Bonsoir. Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi, ils sont venus me mettre en bateau. Hélas, sur la route de rêve, mauvais destin, c'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens, en trahissant naïvement tous les biens. Mais ne vous l'avais-je pourtant pas prédit, vous mes amis, cette chanson vous est un peu dédiée, me laissant une chance de me justifier. Sur ce don qui vous fit d'ailleurs, merci, bien des soucis, preuve quand même que rien n'est jamais perdu, qu'il y a toujours une place pour le traître vaincu. Pour moi la vie qui jour après jour devint inconnu. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Un fois décidé, j'ai changé de camp. Mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie, moi la grande gueule des chemins rebelles. Une nuit mes idéaux se sont fait la belle. Pour des yeux marrons, des cheveux bruns bref, pour une belle qui avait la couleur des promenades, la douce odeur du parfum des grenades, qui justifiait son titre de bombe de grenade. Mais priez de lui, en voulait pas trop. Autant vrai qu'elle m'ait retourné le cerveau. Je fus moi-même juge condamné coupable, truand bourreau. Enfin donc un soir j'ai changé de peau. J'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau. Et malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire. J'ai pris le ticket pour le triste bateau. Celui
Kikino des rivaux, file de l'eau. Et vous mène peu à peu dans un bien triste brouillard. J'ai pas fait semblant de toucher le fond. Bien sûr, j'ai pris l'alcool pour compagnon. Juste à gauche de la nuit, les poches pleines de hasard, j'ai joué le rôle des piliers de comptoir. L'alcoolique de service des fins de bar. Celui qui traitement et m'en dit de trois coups à boire, c'était Fredon, le rigolo du quartier. Le gentilhomme, le brave, le bien-aimé. Celui qui a toujours le sourire, mais qui nous fait pitié. Et un soir, un homme m'a sauvé la vie. C'était pas Jésus, c'était pas Dieu pardi. Juste un homme de passage qui avait bien vécu un stage. Il connaissait mon prénom, quel art. Puis il m'a dit, je t'échange une histoire. Contre ta liberté, assurément j'ai accepté. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que dans ma vie ce stage a rendu compte. Quand t'as touché le fond du fond, soit tu crèves, tu le monde. Et j'ai pris la meilleure solution. Abandonnant toutes mes ambitions. Celle qui a bon matin au coin de la gueule tout en sud. Celle qui au fil des expériences. Du vécu des atouts et d'une sapience. Celle qui sans prévenir vous fait devenir adulte. Et le pire, le compte de cette fin sombre. En revenant du pays des décombres. Tous mes amis avaient également disparu. J'ai bien eu du mal à les reconnaître. Dû au sérieux de